Salut, bienvenue dans ce Let's Play numéro 10. La dernière fois, on était juste ici, souvenez-vous. On va reprendre tout de suite. Sans perdre de temps. Alors, on a des symboles. Qu'on a là sur des... je sais pas comment on appelle ça, des espèces de pièces géantes, là. Et je pense qu'il va falloir qu'on les remette dans le bon ordre. Pour avoir l'accès quelque part. Alors, le serpent. Le serpent, il a la tête à gauche. Donc, on va lui tourner la tête. Voilà. Ensuite, la croix est dans... La croix. La couronne est dans le bon sens. Le calice est à l'endroit. Attends, je vois pas. Ça, c'est quoi? Le livre. Non, il est à l'endroit. Les flèches, les pointes sont vers le haut. Voilà. L'encre, tout à fait normal. Et le coquillage vers le bas. Ah, les affaires reprennent. Ouh. Ouais. Cadeau. Tu crois que ça mène où? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé hey. J'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Oh merde. Putain, c'est quoi ce truc? Se descend de là. Hein? C'est un piège! Sullivan, tout va bien? Sully! Ouais, ça va. J'ai rien de cassé. Dis donc, t'as mis le paquet. Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. Bon, on est obligé d'avancer. Ouais. On est obligé d'avancer. Allez, chapitre 16. Voilà un chapitre qui est parlant puisqu'il s'appelle la salle du trésor. Donc, avançons, avançons. C'est quoi cet endroit? Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Alors. Alors, avançons. Quelle direction choisir? Attends un peu. Il y a des chiffres romains sur le coin de la carte. Ça veut sûrement dire quelque chose. Alors, en chiffres romains, on a donc le 2, le 5 et le 7. Donc je pense qu'il va falloir qu'on choisisse au sol les chemins. Soit qui indique le 2, soit qui indique le 5, soit qui indique le 7. Donc là, on a deux chemins, c'est le 1 et le 5. Donc il va falloir qu'on choisisse le numéro 5. Donc on va avancer. Ensuite, numéro 2. Ensuite, je vais numéro là, 5 par là. Pendant que toi, tu trouves un moyen. Numéro 3, non. Numéro 4, non plus. Numéro 5, on monte. Numéro 3, non. Donc il faut qu'on continue à monter. Ça doit bien servir à quelque chose. Donc on va actionner ça. Comme il nous l'indique. Il se passe quelque chose! Il se
passe quelque chose. Nate, t'as fait quelque chose? Ça commence à bouger pas mal en bas. Ok. Donc... ensuite, le 2, il nous indique vers la droite. Donc il va falloir qu'on monte. On a vu que la chaîne avait bougé. Donc on va utiliser la chaîne pour monter. Ensuite, 5 par là. Deux par là. Sully, tu me reçois ? Merde, que dalle ! Alors, où est-ce qu'on passe ? De l'autre côté, j'imagine ? Écoute, on va partir par là parce que je crois que je suis un peu perdue. De la hauteur, on va essayer de voir ce qui se passe. Ah, le 2 par là. Donc c'est bon. Non ! Non ! Non ! Non ! Punaise ! Mais non, je panique pas du tout. Bon, heureusement, je reprends de là, mais... voilà. 5. On continue. Ah oh ouais, ça c'est chaud ça. Non. Hey, j'y suis. Hey, fais attention. Ça n'a pas l'air très stable. Nate. Hop, c'est pas le bon, je me gourde de boutons à chaque fois. La nana, je joue tout le temps à la PlayStation et j'arrive toujours pas à savoir si le rond est à droite ou à gauche. C'est quand même un sketch, hein. Du coup, je suis obligée de recommencer. C'est mal. Ils auraient pu me faire recommencer ou il fait coucou, hein. Ouais. Pour une fois que j'ai bien réussi. Hey, bon, cette fois, j'ai le bouton sur le rond. Prends le bouton, attention, le pouce pour le pouce à vie. Ah. C'est bon. Ouais. Tout va bien. Donc le 7 c'est par là. Je peux pas avancer plus. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. J'ai bien vu que t'attendais là et que c'est moi qui faisais tout le boulot. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça c'est quoi ? 3... Non...
Qu'est-ce que... Merci, Nate. Bah, tu peux me dire merci. Moi qui fais tout le boulot. Alors, 5, on est sur la bonne piste. Le 2 à gauche. Oh mince. Boulet. Maintenant cet or, il m'appartient. Ah, t'as perdu. Tuez-les tous les deux. Ah, ouais, ben, c'est pas, mieux non. En mieux. Voilà. Ah non. J'ai pas eu le temps de le voir venir celui-là. Il est là. Passez-le. Bon, tu te fous de moi ou quoi? Ok, à plus. Ok. On va pas me la tuer là, Elena. Elle est bien mignonne celle-là. Bon, elle sert pas à grand chose. Il est là. Quoi, il est là? D'autres non? Non, il ne peut y en avoir d'autres. Ok, allez, c'est parti. Je crois qu'il y a une sorte d'échelle mécanique là-haut. Pour l'amour de Dieu. Je le vois. Alors ça fait quoi, cowboy? Oh. Ça va bien, non? Back.
Pourquoi il est là, là? Pas moi, ça. Pourchasse-le. Oh, je vois rien là, mais il a accès de caméra. Bon, elle a dû le tuer parce que je vois rien du tout. Je vais me méfier parce qu'à mon avis, j'en ai encore. J'espère que ça mène quelque part. T'es prête? On aura pas autant de chance cette fois. Alors, heureux? Faut que je fasse le plein parce que... Je prenne ça, quoi. Alors... 6, c'est pas par là. Tout ça. Oh. 7, c'est par là. Essayons par là. Je n'aurais pas mieux dit moi-même. Ouais. Ouais, il y a plein d'armes, dit Amélie. Et quand il y a plein d'armes, ça pue. Y a rien ici. Ça pue la tonne de méchants. Tout ça est si vieux. Nate. C'est Drake. Il l'a pas trouvé, il est juste mort ici. Tout ça pour la grandeur. Une vie gâchée. Pour rien. Nate, est-ce que t'es prêt à partir? Ouais. Plus que jamais. Il doit bien y avoir une sortie. Alors, cœur de la salle, chapitre 17. Ça, c'est quoi, ça? On dirait qu'il y a des sortes de machines, là-haut. Là, il y a une échelle. Hé, je crois que je peux l'atteindre si tu m'aides. C'est bizarre qu'il y ait plein de trucs partout, comme ça. Il y a une échelle, tu dis? Ah oui, là. Eh bien, je vais t'aider. Allez, grimpe. Oh, t'es plus lourde que t'en as l'air. Tu peux l'attendre. Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil. Il y a une corde. Je vais essayer de te la passer. Oh, je vois un tunnel. On peut sortir par là. Je vois le bout du tunnel. Salut les mecs. Du calme, Eddie, du calme. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu les as pas vus? Oh non. Mon Dieu, non. On est piégés. Putain, mais c'est quoi? C'est mort. On va tous cramer. Ah ah. Eddie, reviens par là.
Oh, j'aime pas ça. Oh, oh. Drake, si jamais on doit y rester, je veux que tu saches, je peux pas te saquer. Ouais, pareil, mon pote. Bon, c'est parti. Ah, dépêche-toi. Là, tu te sens sauvé par la cinématique. Eddie, tiens bon. C'est une blague, quoi. Elena, dépêche-toi. Attrape la corde, voilà. J'étais en train de sauter. Attrape la corde, j'étais en train de sauter, le machin. Il voulait, oh, il faisait des sauts de biche avec son fusil à pompe. Tout, voilà. Accroche-toi. Oh mort. Qu'est-ce que c'était que ces trucs? Je sais pas, j'en sais rien. Ça va? Hein? Pardon. Nate? Ok, je pense qu'ils pourront pas passer. Nate? Ouais. Nate. On est où là? Je sais pas trop là. Oh! Fonce! Ça explique le sous-marin dans la jungle. Nate, par là, regarde ça. Alors ils l'ont trouvé. Ils ont dû s'introduire dans la salle et tout prendre. Ouais, mais qu'est-ce que le monastère a à voir là-dedans? Je sais pas. Ça n'a vraiment aucun sens. Si c'est là que se trouve la statue... Oh merde, on était vraiment juste au-dessus. Je suis sûre qu'on peut remonter à la surface. Les nazis ont pas dû payer l'électricité. Et merde! Tu vois, je suis sûr que si on trouvait la salle des machines, on pourrait remettre le courant. Il faudrait juste qu'on sorte d'ici. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai
la sortie. Bien joué. Ouais. Bon, on y va. Non, c'est à toi de jouer, cowboy. C'est quoi ce délire? Nate, tu sais très bien que j'y arriverai pas. Il est hors de question que je te laisse ici avec ces monstres. Mais on n'a pas le choix. Tu vas remettre le courant, tu reviens me chercher, et après, on se tire d'ici, ok? Ouais, on se tire d'ici. Allez, fonce. Tu bouges pas, je reviens. Ouais. Bon, me voilà tout seul. Allez, respire beaucoup. On y va. Je suis mort. Allez, que je passe par où? Ah, le boulet. Ah, faut que j'aille à gauche, à droite, l'autre gauche. Quelle naze. Non mais je te jure. Non mais hé. J'ai bien cru qu'il allait tomber. Pas terrible cet angle de vue quand même. Hop. Là. Ouais, il y a des angles de jeu, c'est vraiment pas folichon, folichon. Bon, allez. Tu m'entends? Sullivan, réponds. Réponds, Ned. Ah, ça sert à rien, ça capte pas ici. J'aime pas ce coin, ça pue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, il y a plein d'armes. Ça pue. Oh merde. Oh là là. Pardon. Ah, oh, j'aime pas puis elles font sursauter ces créatures. Oh, quelle plaie. Putain, mais hey, je fais une crise cardiaque. Vous me voyez pas, mais... je l'ai déjà fait, ce jeu. Hein. Mais je fais une crise cardiaque à chaque fois que... Ouais. Ok. Hein?
c'est à droite là. Ça doit être la salle des machines. Alors. Alors. On va s'arrêter là. Et je vous dis à très vite pour savoir ce qui va m'arriver dans le prochain numéro si je vais me faire bouffer par ces créatures de l'au-delà. Allez, à plus les copains. Ciao, ciao.